Bonjour à tous. Alors, petit exercice de précision à l'impact. Je m'explique. J'ai un petit feutre bien connu. Là, on va voir que lorsqu'il est posé, le bouchon est un petit peu remonté. Ça va avoir une importance. C'est ce que je vais taper ce petit feutre et ça va indiquer, suivant la direction qu'il prend, la direction que j'ai à l'impact. Alors, c'est en somme toute un analyseur de swing, un radar de fortune. Vive le Covid. Donc là, il va être très important d'avoir un élément pour s'orienter de façon à ce que l'on ait ce petit stylo là, ce petit feutre posé bien parallèlement à la ligne de jeu présupposée et que je puisse visualiser correctement la position de mon putter avant de travailler ce coup-là. Hein. Si j'ai un petit angle de départ qui est faux, évidemment, lorsque je vais faire le coup, je vais compenser et je vais avoir une information fausse. Donc il me faut des informations bien réglées dès le départ. Hein. Donc je m'installe et maintenant j'effectue mon coup, entre guillemets, hein, de façon à voir un peu le résultat et ce qui va se produire. Donc là je peux présupposer par exemple que ma face de club était orientée à gauche à l'impact. Donc je vais reproduire l'exercice de façon à être assez régulier, avoir un stylo qui part en ligne droite. Et ça, jusqu'à ce que, je le répète, jusqu'à ce que ça vienne. Ça fera, vous verrez, aussi du bien sur la traversée, les sensations qu'on a en termes de vitesse et ce qui se produit dans cette zone d'impact qui est très importante. Merci à tous.